Bonjour, je me présente, Brunval Frédéric. J'habite la Maison Lazare depuis 6 mois. Étant ici, je me dis, c'est un peu comme si j'agrandissais ma famille, quoi, quelque part. Parce que, pour en revenir encore à cet esprit de confiance, quoi, les portes sont ouvertes, mais tout le monde se respecte. Bon, on a une tâche chaque mois à accomplir. Par exemple, ça, chaque mois, ça change, quoi. Un coup, ça va être les poubelles, un autre coup, ça va être... moi, je suis cuisine-salon, là. Il y en a, c'est pour aller récupérer des lettres dans les boîtes aux lettres. D'autres, c'est pour... on fait un peu qu'est-ce qu'on veut, quoi. Mais on a tous une tâche à accomplir chaque mois, qui change à chaque fois. Et c'est un peu normal, quoi. C'est pour garder la propreté. Mon père, il s'est pendu devant moi quand j'étais petit. J'avais 10 ans. Et moi, j'essayais de le dépendre, mais j'étais trop petit, quoi. Donc, j'ai couru chez mon parrain qui est maintenant mort. Il est mort d'un cancer, il a beaucoup souffert. Et il l'a dépendu et tout, mais il était trop tard, quoi. Il en est mort à l'âge de 29 ans. Et après, ma mère, elle s'est remariée avec un mec qui m'a fait des attouchements. Je peux pas dire que j'ai le regret, parce que le regret, ça fait pas avancer. Mais quelque part, si j'ai le regret, je me dis, j'aurais pu avoir une meilleure vie si j'étais pas passé par ces chemins-là. Comme je dis, la fraternité, il n'y a pas plus beau, quoi. L'esprit de partage, c'est des choses, comme je dis, moi qui ai déjà fait la manche, des fois on pourrait penser que tout ça, ça se perd. Mais grâce à celui qui a lancé la Maison Lazare, il a bien fait des choses, quoi. Parce que c'est pas comme un foyer où on fait un peu de tout et n'importe quoi. On doit s'entendre, de se mettre en harmonie et accepter le contrat, quoi. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de violence. Les dimanches de l'amitié, parce que c'est dimanche de chaque mois, et ben il y a toujours des nouvelles têtes. Soit que quelqu'un il vient avec quelqu'un, je sais pas. Il y a toujours des nouvelles têtes. Ça fait qu'on fait plus de rencontres et ça peut être bien, quoi, pour quelqu'un qui est célibataire, peut rencontrer une petite copine. Si, ça peut être bien. Bon, pour l'instant, je fais que des contacts amicaux, parce que ça fait 12 ans que je traîne une blessure depuis que j'ai perdu celle que j'aime. Mais je sais que je retrouverai un jour quelqu'un, quoi. J'aimerais un jour pouvoir faire des choses à bon escient pour autrui. C'est-à-dire, je joue chaque semaine à Euromillion et j'aimerais gagner une tiers-lire de cet Euromillion, quoi. Comme là, il y a 60 millions là bientôt. Si je pouvais l'avoir, j'aiderais les pauvres à avoir une meilleure vie, quoi. Voir des personnes mendier leur pain chaque jour du quotidien, il y a des personnes, ça les afflige pas. Mais moi, qui suis sensible, ça me touche beaucoup. Alors si je pouvais rendre un peu de dignité à celui qui en a perdu, je trouve ça très noble.